Et bonjour, si toi aussi t'es toujours en galère avec ta cagoule de soudure, que t'y vois rien parce que tu soudes à l'arc ou au semi-automatique et que ta visière elle dure pas très longtemps, cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te montrer comment restaurer ta visière histoire d'y voir plus clair quand tu vas souder. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais présenter quelques produits. S'il n'y a aucun placement là-dedans, c'est des produits que moi j'utilise, je sais qu'ils fonctionnent. Vous pourrez peut-être en trouver d'autres. En tout cas, moi, je ne les ai pas testés. Ceux que je vais vous montrer, je les ai testés. Je vais même les tester devant vous. Vous allez voir le résultat. Et ça évite, eh ben, de racheter tout de suite une nouvelle visière pour ta cagoule. La première étape, c'est déjà d'enlever un peu la poussière. Pour ça, un pinceau, tout simplement, pour éviter les rayures. Ensuite, le mieux va être de retirer votre visière. Ce qui permet aussi de dépoussiérer à l'intérieur. Pour l'étape suivante, utilisez des lingettes pour nettoyer les lunettes. Déjà, après un bon coup de nettoyage, vous voyez, on a éliminé une grosse couche de saleté. On retrouve une visière un peu plus propre, mais on a toujours, voilà, des petites taches, des petites imperfections qu'on va retirer. Pour ça, à titre personnel, je me sers de deux produits. C'est des polish abrasifs et polish lustrants de la marque Icare. Ici, j'ai un polish abrasif. J'ai pas de rayures, donc je ne vais pas m'en servir. Ici, je vais me servir uniquement du polish lustrant. Mais si vous avez des rayures, vous passez un coup de polish abrasif avant et vous terminez ensuite par le polish lustrant. Il suffit de se munir d'un chiffon très doux et appliquer une noisette de polish. Hop. Et simplement venir frotter. Alors, comme vous pouvez le voir, toutes les taches ne sont pas parties. Je vais donc appliquer un coup de polish abrasif. Je pensais que sans abrasif, ça disparaîtrait, mais non. Alors, exactement pareil, noisette. Ah, j'ai mis plus qu'une noisette. Par contre, voilà, au niveau du chiffon, pas un chiffon doux, un chiffon légèrement pelucheux. Et on frotte. Une fois le polish abrasif passé, on reprend une nouvelle lingette et on nettoie. Alors, je n'ai pas fait l'intérieur puisque mon intérieur est propre. Et je termine au lustrant. Je repasse ma lingette. J'en profite pour mettre un coup de lingette à l'intérieur. Et voilà une cagoule prête à ressouder. J'ai toujours quelques petites taches et micro-rayures, ce qui est tout à fait normal. Si vous voulez vraiment retirer la totalité des micro-rayures et les petites taches qui sont difficiles à la main, pour ça, il vous faudra monter ces mêmes produits sur une lustreuse pneumatique. Ça vous demandera beaucoup moins d'efforts, puisque là, à la main, il faudrait lustrer ça pendant une bonne quinzaine de minutes. Et honnêtement, je n'ai pas 15 minutes à perdre. Ici, on a une très très bonne vision, même s'il reste quelques micro-rayures. Au moins, ce sera toujours mieux qu'une visière où on voit absolument plus rien et ça permet d'économiser quelques euros avant d'en racheter une nouvelle. Maintenant, j'en profite très rapidement pour remercier absolument tout le monde qui est resté jusqu'à maintenant, qui like et qui partage mes vidéos. Et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine vidéo.